J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un retour de course à Noz. J'ai commencé à faire quelques achats pour mon anniversaire. J'ai pas trouvé énormément de choses, mais c'est pas grave. Je vais attendre que mon budget soit mis sur ma carte de retrait car j'ai ce curatelle avec un budget limité. Donc, du coup, je me suis organisée pour avoir tête-à-tête mon budget. Donc, j'ai pas grand-chose à vous montrer au niveau de mes cadeaux mes préparations d'anniversaire, mais j'ai trouvé pas mal de choses hors anniversaire, donc on va regarder ça tout de suite. Alors, j'ai trouvé des petits paquets de chips. Là, ça j'en ai pris par j'en ai pris 6, c'était à volonté. Ils sont passés à moitié prix. Et si je me trompe pas, ils m'ont fait. Ils me sont revenus à 15 centimes au lieu de 50 centimes. Ah, la date elle est passée. 18-11-2023. Des chips paysannes. Voilà, les naturels. Ça, j'en voulais. Et à chaque fois, je n'ai pas voulu en prendre quand je suis allée à Noz plusieurs fois. Quelques fois. Mais là, je vais les prendre, ça fait toujours dépanner. Donc, ça, j'en ai pris 6. Excusez-moi, je mange entre deux et on a reçu la pluie. Bon, c'est un peu compliqué. Alors, est-ce que je pourrais avoir un pic? Oui, il y en a un là. Bon. Alors. Bon. Là, j'en ai pris 6, donc je les barre tout de suite, comme ça sera fait. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, six, bien sûr. Voilà. Les petits paquets de combien? 28 grammes. Donc ça, il faut les manger assez rapidement parce que c'est vraiment périmé bientôt à moi. Bien sûr, si c'est vraiment dégoûtant, je mettrai. Moi, je peux le mettre aux petits oiseaux, ils vont aimer. Même s'ils ne sont pas trop. Comment vous dire? Moi, ce que je pourrais dire ça, s'ils sont pas trop dégueux, je les mettrai aux oiseaux. Si vraiment ils sont vraiment trop dégueux, je les mettrai à la poubelle. C'est pas grave. J'ai pris ça pour la voiture de mon chéri. Un soft tube holder pour accrocher le téléphone. J'ai payé ça 2,99 €. Comme ça, il peut accrocher son téléphone. Pardon. Voilà, tout simplement. Plusieurs choix. Ouais. Plusieurs choix pour mettre le mobile. Tout mobile, MP4, PDA, PSP, GPS. Voilà. Je prends comme ça. Ça va. 2,99 %. Ça fait bien coûter. Alors, je barre tout de suite. Bon. Hop, on va mettre aussi sur les vélos. Oh, c'est pratique aussi ce sur les vélos. Ah ouais. Bah ouais, je suis marqué dessus. Je sais pas pour l'accrocher où, parce que c'est une ventouse, donc je sais pas, faut voir. Mais en tout cas, sur les voitures, c'est plutôt pratique. J'ai trouvé un petit livre comme ceci. À la base, il coûtait 4,90 € et j'ai eu à moins 5%. C'est un livre sur la huile essentielle de la lavande. Du coup, ça m'intéresse énormément. J'adore l'huile de lavande. De toute façon, c'est sûr que je valide. Table des matières. Lavande officinale, le B.A.B.A. La lavande officinale en pratique. Hygiène quotidienne et beauté. Se régaler. Il y a plein de choses sur la lavande, l'huile de lavande, pardon. Parfumer et prendre soin de sa maison, de ses animaux. Annexe. Je vais vous dire un truc qui m'intéresse, que j'ai vu un truc intéressant. Les soins pour le visage. Allez, on va dire dans hygiène quotidienne et beauté.
sérum pour la peau, huile de dos, crème anti-soif, lait démaquillant, gommage presque parfait, baume jouvence, baume à lèvres floral, masque équilibrant. D'accord. Donc ça m'intéresse énormément. C'est de la marque, c'est les éditions Le Duc. Et c'est Anne Dufour qui a fait ça. C'est un petit livre. Voilà. Alors, je vais vous dire tous les astuces pour bien utiliser. Donc, je vais vous le dire derrière. Toutes les astuces pour bien utiliser l'huile essentielle de lavande officinale, lavande vraie, lavande fine. Santé, hygiène et beauté, entretien de la maison, recette. Donc, au niveau de la santé, ils disent insomnie, enfant agité, vertige, plaies, brûlures, démangeaisons, stress, contracture musculaire, psoriasis, eczéma. Au niveau de l'hygiène et beauté, massage raffermissant, bain exfoliant, baume ré partout, sérum plus belle la peau, baume à lèvres floral, eau de lavande, spray cheveux à l'hydrolat. Entretien de la maison. Je relève le prix parce que sinon on va pas avoir tout ce qu'ils disent sur l'entretien de la maison. Ouais, il y a un petit peu ça par contre. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, c'est pas grave. C'est du nœud, hein. Je cherche à comprendre. Hein. Est-ce que je vais réussir à lire? Pas tout à fait. Ça vient. Ne quittez pas. Voilà. Je pense que maintenant ça va lui intéresser, je lui prêterai. Il y a des coups de. Donc, mais c'est pas grave. Alors, donc je lisais. Entretien de la maison. Entretien de la maison, pardon. Assouplissant, archi doux, eau de repassage, petite lavande, brune, bonne nuit, répulsif, anti-matou. Ça, c'est vrai que l'huile de lavande, ça fait du bien quand on va passer une bonne nuit. Recette de cuisine, lassi, taille de guêpe, figue au sirop, chantilly à la lavande. Ah oui. Il me semble que je vais déjà goûter un produit à base de lavande. C'était pas mauvais. Alors, peut-être que vous connaissez pas. C'est Anne Dufour qui a fait ça, et journaliste et présidente de l'association Daniel Festi. Elle est certifiée maître praticien avancé en aromathérapie traditionnelle, praticien en aromathérapie cosmétique et en aromacologie par la Fédération française d'aromathérapie et certifiée en aromathérapie par l'École lyonnaise de plantes médicinales. Ouais, donc du coup, ça va m'intéresser énormément. Et du coup, pour 4,90€ mois, 65%, c'est vraiment un coup. Très belle découverte. Ensuite, j'ai craqué sur ça. Ça fait plusieurs fois qu'il me passe sous le nez. Comme les chips, par exemple. Un petit sac pour les champs d'Halloween. Ça, je l'ai utilisé et j'ai adoré le concept. Il a pris un petit peu l'appui. 3 euros. Une décote de combien? Je sais pas. Attendez, je vais vous lire. Alors, lui, c'est fait. 3 euros moins 60%. Donc, ça, c'est à moins 60%. Donc, 3 euros moins 60%, à tout calculer. Il n'y a pas de poche à l'intérieur, si je ne me trompe pas. C'est juste un petit sac en forme de chat. Voilà. C'est un peu comme la feutrine, j'ai l'impression. Il est trop trop beau. Ça, je vais l'utiliser. Pas photo. Voilà, ça, c'est fait. Après, j'ai pris des bonbons, des chocolats. Liqueur de vodka, du chocolat noir pour offrir. Je ne savais pas quoi prendre. Et c'est pour le Noël de ma famille. J'ai demandé conseil à maman. Elle me dit oui, je pense que ça pourrait lui plaire. Donc, du coup, j'ai pris ça pour 99 centimes. Voilà. Comme ça. Une petite boîte. 4,5% d'alcool. 16 pièces, 150 grammes. Ça m'a intrigué, donc du coup, j'ai ça, je lui prends, ça lui fera plaisir. Du coup, j'en ai pris deux boîtes, on sait jamais. Et là. Voilà. Et 19 pièces. Du chocolat noir, ouais, un liqueur. Je connaissais pas du tout.
Alors, ça, j'ai payé combien? 99 centimes. Alors, fois 2, évidemment. Excusez-moi, je mange entre deux parce que j'ai faim. Je mange tout doucement, vu que j'ai fait la lessive et que du coup, bah, je mange des petites quantités et souvent. Si je mange trop vite, je vais être malade. Et c'est pas le but. Un paquet de chips. J'ai pris des barres de. Ah, je crois que j'ai fini. Oh. Barres de chocolat, caramel, amande et sel de mer. Ça m'a intrigué. Be kind, 1,79€. 3 barres. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que c'est du chocolat noir? Je pense que oui. Je recherche en français, ça serait bien. Mais pas en français. 3 fois 30 grammes. Voilà. Et j'ai payé 101,19€. Voilà. En fin de dégustation, j'ai pris une énorme bougie à la lavande. On va parler. Plus ou moins 43 heures. Elle sort divinement bon. Et ça, j'ai hâte de la laisser. Combien que je te paye, grand-mère? Il n'y a pas marqué de prix dessus. À défaut d'avoir les bougies avec les candles qui ont été dévalisées. Je me suis reportée sur ça. Alors, cette bougie, elle vaut combien? 3,99€. Bougie fragrance Taste. Elle sent vraiment bon. Ça, j'ai hâte de la tester. Moi, je mets de l'encens ou une petite bougie en photophore. J'aime beaucoup. Et quand je mets des fondants, et quand ça sent plus les fondants, je mets quelques gouttes de citronnelle ou de l'arbre à thé. Ils sont super bons. Et j'ai aussi du xylitol anti-allergique au coton ou à la menthe. Et j'ai un LED qui tourne tous les 9 minutes, si je ne me trompe pas. Il y a un moment, j'avais mes cookies. Ça sentait trop trop bon. Là, j'ai mis les fleurs que j'ai eues à Magic Depot. Ça sent super bon. Je suis choquée. Évidemment, j'aère ma pièce. Ouh! Ça, à chaque fois, j'adore ça. Et à chaque fois, je dis non, je ne prends pas, c'est pas la peine. C'est trop bon, ça, c'est des petits gouttes de lacre battant au gouda. Moi et mon chéri, on est fan du maroilles, du gouda, du gruyère, etc. Et ça, je suis bien contente, je l'ai trouvé. Et je pense que j'en ai pris 2 paquets. Je sais plus. Ou un paquet, je sais plus. Et ça, c'est super bon. Des petites cigarettes au gouda. Et ça coûte très très cher et je m'en prive. Et là j'ai trouvé 1€ pour 1,19€, une petite boîte. Pense que j'en ai une deuxième. Le petit paquet de Lay's en déstockage. J'ai trouvé une citronnade verveine. Ah, la verveine. Au jus de citron, sucre fait de verveine infusé. Ça a l'air d'être trop trop bon, on dirait un produit de ferme, mes petits chats. J'ai hâte de la tester. C'est un producteur. C'est un Paul en Jarret, dans le 42.
Et ça va être super bon parce que il n'y avait plus que deux bouteilles. Et là, j'en ai une deuxième. Je viens de réaliser que là, c'est citronnette menthe. 25 centilitres en verre, eau, sucre de citron, jus de citron, sucre, feuille de menthe, infusé. Ça, c'est de la trop bonne qualité. Ça ne doit pas être donné, j'ai l'impression. Parce que... je sais pas, j'ai l'impression. Après, je peux me tromper. Hein. Mais en général, ça coûtait dans les 2 euros. 1 ou 2 euros. Et du coup, j'ai payé ça 99 centimes. Je vous ferai un petit topo pour les deux. Et j'aimerais bien savoir si c'est combien la musicité, si je peux retrouver le prix. Par curiosité. Voilà, voilà. Alors, je l'ai payé... 99 centimes chacune. J'ai pris. Mon pouce a pris l'eau. Sucre vanillé, docteur Oetker. Tant bien, j'en avais besoin parce que le mien, il commence à rendre un peu l'âme. Vu qu'à la base, je prends des pochoirs de sucre, des petits sachets vanillés. Je remplis mon pot. Mais là, c'est bien parce que c'est pratique. C'est une boîte. Là, c'est là-bas, c'est un emballage en carton et ça se plus vite. Donc, c'est pratique comme tout. J'ai payé ça 1,39€ et c'est vraiment beaucoup plus solide que du carton, quoi. Parce qu'à un moment donné, le carton, c'est suce, quoi. Donc, je suis bien contente de l'avoir acheté et j'en ai un peu partout. Notamment un velouté nature, le classique, hein, la recette classique, avec du sucre de canne. Franchement, ça passe trop trop bien. Air nature. Peu importe la marque ou pas, comme vous le sentez, mais ça avec du sucre vanillé, c'est pépite. Donc 1,39€. Non. J'ai repris des crêpes. Je voulais prendre les autres, mais les autres, ça, elles étaient un peu casse-gueule, sans emballage. Donc là, j'ai pris ceux-là. Les Belgian Boys. Elles sont super bonnes, selon. Les combien de crêpes? 1 minute. Il y a combien de crêpes dedans? 7 crêpes. Et elles sont super bonnes. Et donc, du coup, j'en ai repris. €1,49. Voilà. 385 grammes. Et elles sont trop, trop bonnes. J'ai pris un pochoir de M&M's au chocolat à 2,89€ au chocolat tout simple, maxi 400 grammes. Ça, c'est super bon. Une nette au chocolat ou la vanille. Au lieu d'acheter des nettes toutes faites, les pop, bah tu prends des nettes classiques et tu mets des dragées, quoi, à ta guise. Ça coûte beaucoup moins cher, je te dis. Bon appétit. Allez, c'est bien, t'es prête. Après, j'ai trouvé du thé à la cerise. Mon chéri adore le thé à la cerise. T'as bien? J'adore. Ah, j'adore. Donc, thé noir, saveur cerise. Ah, ça c'est le clean. Alors, combien que je t'ai payé? 79 centimes. Voilà, un petit sachet. Ça sort pas avec le déballage. Ça c'est bien, ça fait du bien pour du thé. Après, j'ai pris une lotion, une tonifiante, du lait tonifiant, Nature Subreaker, à 3,99€. Ces produits-là, c'est hyper cher et j'adore cette marque-là. J'avais entre mes mains un conditionneur pour les cheveux colorés. Je l'ai remis
Parce que si je me dis j'ai des pellicules, ça va pas le faire. Après, il y avait encore des miniatures pour les enfants en gel douche, en lait, démaquillant. Mais je savais pas, ils avaient un peu du produit exprès dessus. Donc, à mon avis, soit ils ont coulé, soit les gens ils ouvrent tout comme des bébêtes dans certains noses. Il n'y a plus de respect, de toute façon. Donc, du coup, ben, j'ai pas osé pour offrir. Mais de toute façon, la personne, c'était trop petit. C'était pas la marque qu'elle prendrait. Donc, du coup, j'ai remis. Et puis, j'ai pris du sang. Ah, c'est une vraie quand. Il y avait quoi comme marque après? Garnier, j'ai pas pris. C'est une crème filtre UV, mais pour les peaux plus mûres, plus âgées. Il y avait exprès pour les tâches, donc c'était pas trop mon truc. J'ai remis le conditionneur Cibreka, des escadés maquillés, j'en ai encore. Ce sera pas spécialement pour moi, mais ça va, les personnes en ont encore. Elle a prévu sur le coup, je pense. Il y a des chances. Donc je me suis pas cassé la tête, il y a des trucs que j'ai remis. Voilà. Du coup, j'ai pris que ça. C'est un lait tonifiant. Voilà. Ça coûte super cher, ça, la marque. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? Mon chéri m'a trouvé une petite tasse d'Halloween. Trop mignonne. Je vais essayer de la peindre. À la base, elle coûtait 2 euros et c'était passé à moins 50%. Donc ça, à mon avis, on peut mettre une petite bougie. Ça pourrait être sympa. Je vais essayer de la customiser. Elle est trop trop belle. Et les trucs que j'ai eus, à être émis, les oasis, j'ai pris de bouteilles. Mon chéri dit que c'est le même prix normal qu'en grande surface. Bon, là, c'est du noz. Bah, je vais les prendre au cas où. Il m'a donné l'idée de les prendre pour mon anniversaire, pour commencer. Pour commencer, j'ai pris deux oasis tropicales. Voilà. Au niveau de la tasse, 27,01,24, c'est très bien. Ça fera tout à fait strong jump. Et j'ai payé ça. Une bouteille, c'était 1,45€. Non. Ouais, c'est bien ça. Du coup, j'en ai pris deux. Ça passe très très bien. Pour mon anniversaire. Est-ce que j'ai fait le tour? Ouais, j'ai fait le tour. Voilà. Et bah, c'est fini. Hein. Déjà, ça passe très vite. On discute, mais le temps il passe. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je la mettrai quand j'aurai la film. En principe, si tu la vois, c'est qu'elle l'a mis en ligne. Il y aura aussi un retour de course à Monstre. Donc, si elle est déjà en ligne, tu peux aller la voir. Parce que moi, je suis en ADSL ici. Hein. J'ai pas le choix. Je sais comment c'est la vie. Donc, ça met sur sa temps à se mettre en ligne. Je suis désolée si ça prend du temps. Mais t'inquiète pas, je fais le nécessaire en fibre. Je te fais plein de gros bisous, prends soin de toi et à bientôt. Tchuss!